Salut, salut! Je voudrais faire cette vidéo pour encourager les gens à faire le jardin. Il y a beaucoup de bénéfices hein, à faire le jardin. Non seulement vous faites de l'exercice en marchant, en faisant tout ce que vous allez faire au jardin, vous êtes en train de faire les exercices, mais aussi vous allez manger bio, vous allez manger très bien. Et c'est ce que moi je fais, hein, je fais souvent à la maison. Voilà par exemple là, je fais un carré potager avec des tôles qui sont restées. Quand j'ai construit le cabanon que voici, il y a eu des tôles qui sont restées. Alors au lieu de jeter ça ou bien de garder ça, j'ai dit non, ça doit aider. Alors j'ai fait un carré potager avec, j'ai soutenu avec du bois. Voilà, j'ai surélevé ça et j'y ai mis le sol. Hein, et soil, le sol, et puis pour enrichir le sol, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à mettre la tente de gazon et toutes les feuilles mortes. Vous voyez par exemple là, c'est vrai, hein, ça paraît sale, mais c'est pour moi de l'engrais. Donc dès que ça se sèche comme ça, je vais prendre ça, je vais mettre ici. Vous voyez d'ailleurs ici ce que j'ai fait, donc ça m'aide à enrichir ici. Et vous pouvez voir, hein, mes légumes sont en très bonne santé. Vous voyez? Là, par exemple, les patates douces, les feuilles de patates douces, c'est vraiment très bien. D'ailleurs, je viens de mettre encore d'autres tiges comme ça et je sais que dans 2 semaines, ça sera une petite forêt ici. Alors, ce que je fais aussi, c'est quoi? Pour enrichir mes légumes, j'ai créé ça. Vous voyez, par exemple, ça c'est, je fais du compost. Tout ce qui est organique et qui reste de la cuisine, je viens mettre ça ici. Par contre, il faut enlever toujours les sticks, hein. Vous voyez les étiquettes ici, là. Il faut toujours les enlever. Bon, je vais faire ça même après. Alors, je vais mettre ça ici. Vous pouvez voir, j'ai mis des trous partout là. C'est pour que les vers de terre puissent entrer et sortir. Si je bouge ça, vous allez voir que c'est plein de vers de terre. Et les vers de terre, c'est très important pour le jardin. Alors, voilà ce que je fais. Et c'est vraiment rare que je vienne, comment on dit, arroser ici. Et parce que c'est déjà bon, voilà. Mais quand même, j'aime bien faire beaucoup d'activités. Alors, je viens, j'arrose de temps en temps. Mais bon, vous n'avez vraiment pas besoin d'arroser tout le temps, tous les jours. Donc voilà, c'est en très bonne santé. Je mange les matembele. On appelle ça matembele chez nous. Et ça, c'est des bitekuteku. Je les mange très bien. Et vous pouvez faire ça à la maison. Donc il n'y a pas d'excuse pour ne pas faire le jardin. Il n'y a pas d'espace. Non, c'est faux. Vous ne voulez juste pas. Regarder là-bas. Vous voyez? C'est un tonneau. Et là, j'ai mis la tomate. J'ai mis beaucoup de choses là-dedans. Et je vais vous montrer encore autre chose. Voyez par exemple là. Voyez par exemple là. Vous pouvez mettre. Moi, j'ai mis le. Comment on appelle ça? Le poivron, ça prend déjà, vous voyez, ça fait déjà des fleurs, donc j'aurai les poivrons bientôt là. Et malgré que c'est petit, j'ai mis encore un plant de tomate là, et je sais que je vais récolter. Pour illustrer ce que je dis, voici ce que je fais. Vous voyez par exemple là, il y a déjà quelques tomates, vous voyez, et j'ai fait la même chose. Et pour lier l'utile à l'agréable, je mets toujours des fleurs comme ça pour que quand je travaille, j'ai aussi à savourer un peu ces beautés-là. Donc voilà, il n'y a pas d'excuse pour ne pas faire le jardin, il n'y a pas d'excuse pour ne pas planter quelque chose et le consommer après. Donc voilà, ciao ciao.